quand même. Est-ce que tout le monde a des trépieds? Ouais. T'en as pas? Non, parce que moi j'ai... Après la théorie, la pratique en mode sortie photo à Strasbourg. Première étape, savoir utiliser le pied. C'est ça, exactement. Le trépied, c'est complexe. Donc pour le mettre, il faut que tu appuies, tu ouvres complètement. Voilà. Et voilà, et là, il est dedans. Parmi ce groupe, des expérimentés en accompagnateurs et des novices qui ont opté pour la formation dispensée par le photoclub de Souffalweyersheim. Okay. Le temps derrière, tu le gères. Je le gère pas, mais en manuel, je peux, avec les mêmes paramètres. Et en gens, ils ont eu 3 cours théoriques où ils ont vu les bases de la photo, donc le triangle d'exposition, la profondeur de champ, les règles de cadrage et autres. Et puis là, aujourd'hui, on va mettre en pratique. Tu te mets à 100 ISO, donc du coup, tu auras une qualité qui sera importante. Et après, tu joues avec le temps de pose. Donc, c'est le temps que tu vas jouer pour avoir... pour avoir finalement l'éclairage que tu veux avec le rendu que tu veux sur ta photo. C'est beau, c'est de l'art, c'est beau. Franchement, j'aime bien avoir des beaux résultats et j'aime bien partager. J'aimais faire de la photo mais sur smartphone. Et donc c'est vraiment un monde à part et donc on découvre pas mal, vraiment beaucoup de choses et beaucoup de possibilités. J'aime pouvoir créer, photographier. J'ai envie de représenter tout ce que je veux, tout ce que je vois. Et du coup, je me suis dit, la photo c'est génial. J'ai eu un appareil photo. Pour mon anniversaire, du coup, je me suis dit, allez, cette fois, je me lance. Le stage d'initiation photo, lancé il y a 10 ans, est proposé 2 fois par an et les candidats ne manquent pas. La photo retrouve de l'engouement, en fait. On a peut-être trop fait de photos avec le téléphone. Et à un moment donné, on se dit, avec un vrai appareil, qu'est-ce que ça peut donner? Et on a effectivement beaucoup de gens qui viennent, on m'a offert un appareil photo ou j'en ai acheté un, et qui viennent pour découvrir l'appareil photo. Quand les plus assidus le maîtrisent parfaitement, après quelques temps, de la théorie à la pratique, à l'exposition. Comme chaque année, le Fox expose à Souffle les 8, 9 et 10 novembre. Cette année, à découvrir une série spéciale sur la vie à Souffle.